Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de vos vacances ou d'une manière générale de votre été. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'août, donc 2020. Durant cette vidéo, mes amis, on veut voir ensemble d'une manière générale l'ambiance du mois, ce qui pourrait se passer, voilà, d'une manière générale pour vous, les énergies qui vont vous traverser aussi également. Et je vous propose dans une autre vidéo, donc une autre série pour tous les signes du zodiaque, un approfondissement concernant tout ce qui est amour relationnel et sentimental. Donc, comme d'habitude, mes amis, prenez vraiment ce qui résonne en vous dans ces vidéos et regardez aussi également les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune pour avoir plus de renseignements. Donc, aujourd'hui, comme prévu, c'est le tour de nos amis les poissons. Ce tirage est valable donc pour l'ascendant et pour la lune en poisson. Donc, pour toutes les personnes poissons qui souhaitent me consulter en privé, je vous laisse mon site internet au niveau des commentaires. Voilà, vous pouvez me contacter directement. Alors, mes amis poissons, on va voir tout de suite avec le normand ce qui ressort pour vous. Puis après, on va voir les messages avec les oracles et on va faire un tirage avec le tarot. Alors, pour les poissons, du coup, qu'est-ce qu'on a ici sur le mois de août? Alors ici, on me parle de souhaits qui pourraient être concrétisés pour vous, mes poissons. Donc là, plutôt, on est sur cette énergie d'aspiration, cette énergie vraiment de rêve, d'accord? Il y a quelque chose que peut-être on essaye de nourrir depuis un moment, d'accord? Et moi, je pense ici que c'est comme si on me dit que vous arrivez à bord de quelque chose. Alors, on va prendre ici les cartes qui sont retournées. Alors, vous voyez ici, j'étais en train de parler des souhaits, des aspirations, des rêves. On a la carte des étoiles ici également. Donc, pour moi, il y a quelque chose peut-être sur lequel vous travaillez depuis un moment. Alors, peu importe ici hein, le projet ou le domaine qui va être concerné. Là-dessus, je pense que vous arrivez à bord cette fois-ci. Donc, il va y avoir une forme de concrétisation. Peut-être un projet qui va on accomplit peut-être un projet, on accomplit peut-être aussi des études pour certains d'entre vous. Alors là, on me parle vraiment ici d'une grâce quelque part, d'une reconnaissance dans ce qu'on fait hein, ici, dans le cercle social. Peut-être que votre projet va prendre un petit peu de l'ampleur grâce peut-être à de la clientèle, grâce à une forme de et ben d'une réputation. Ici, on parle vraiment d'une bonne réputation. Il y a des nouvelles certainement qui vont venir vers vous, peut-être des personnes qui vont vous visiter. Donc là, sous-entendu, peut-être les clientèles hein, pour les personnes qui sont indépendantes. Pour d'autres, là, ici, je pense hein, que vous attendiez peut-être quelque chose. On voit que vous êtes en attente. Il y a quelque chose peut-être ici ou une situation, peut-être un document. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de document, mais il y a quelque chose qui peut-être jusqu'à maintenant, je dirais, jusqu'à la fin de mois de juillet, vous étiez en inquiétude par rapport à ça. Vous étiez peut-être aussi dans le flou par rapport à ça, d'accord? Vous ne savez pas peut-être trop eh ben, ce que vous faites, etc. Et là, je vois que vous allez avoir des réponses. Si ne ce sont pas vraiment concrètement des réponses, je vois que la situation, du coup, va bouger, d'accord? C'est qu'on ne va pas trop rester là-dessus avec cette énergie d'inquiétude, etc. Donc là, ça peut concerner, du coup, un contrat. Ça peut concerner une association. Ça peut concerner un couple pour certains. Donc il y a quelque chose, peut-être on avait des doutes, peut-être par rapport eh ben, du fait, le fait de vous associer, ou peut-être le fait de faire quelque chose en groupe, le fait peut-être de signer un contrat. Alors il est tout à fait possible que durant le mois de juillet, par exemple, vous avez passé des entretiens et que là, vous attendiez, vous êtes dans le flou par rapport à la réponse. Et là, je vois que la réponse, elle va venir, hein, d'accord? Alors, elle est là, la réponse. Donc, peut-être que ça va être déjà vers le début du mois de août. Là, on voit quelque chose d'assuré. Il y a quelque chose qui va être vraiment bien accompli. Et ça concerne peut-être un travail, un projet. Peut-être aussi, alors là, j'ai pas l'argent qui sort pour l'instant, mais pourquoi pas, ça peut concerner, par exemple, hein, une transaction importante, genre un achat, un déménagement ici, par exemple, avec la cigogne, les projets de vie d'une manière générale. Alors, attendez, ça fait beaucoup quand même, j'ai besoin d'une seule carte. Bon, voilà, la lettre, elle est là. Donc, alors là, on a quelque chose d'administratif. Eh bien, effectivement, on a l'administration ici au dos. Il y a quelque chose hein, qui va être scellé, qui va être aussi
confirmée d'une manière assez positive parce qu'on a vraiment de magnifiques cartes. La seule carte ici qui est assez peut-être voilà un petit peu négative, je dirais, qui n'est pas très gros parce que ce sont les nuages et comme je dis souvent, les nuages, eh ben c'est une énergie de passage. C'est pas une énergie qui reste. Donc et là, c'est l'énergie que vous allez laisser derrière vous. Par contre, la continuité de moi, elle est assez prometteuse. Hein. Vous voyez ici, on a quand même hein, la possibilité de réussir un contrat, de réussir une relation. Comme je vous ai dit, bien que je vais pas trop développer le sentimental aujourd'hui, mais on a une forme vraiment de réalisation. Alors pour certains, du coup, l'administratif que je vois moi ici, ça peut tout à fait être un mariage. Un mariage ou un pacte ici. D'accord? Peut-être que voilà, ici vous étiez un petit peu dans le doute, vous ne savez pas trop par exemple par rapport au local, par rapport à la préparation, etc. Peut-être aussi voilà, vous vous demandez si la situation actuelle avec le virus, etc., pourrait peut-être un petit peu embêter vos plans. Hein. Par exemple la fête, parce que là ici on a la fête, on a quelque chose de ce genre-là. Donc certainement il va y avoir un changement au niveau de plan, donc au niveau de la planification ici par rapport à la fête, peu importe mariage. Réussite, remise de diplôme, peut-être aussi une grossesse, une crémaillère pour certains d'entre vous. Alors là, peu importe, mais je vois qu'il va y avoir un changement. C'est qu'on va adapter quelque part quelque chose, peut-être d'ailleurs le local ou le timing. Et là, je vois que vous allez vraiment, vous allez réussir à le faire. Alors là, ici, je vois des invitations du coup qu'on va envoyer. D'accord? Peut-être que vous êtes en train d'attendre ici une confirmation ou tout simplement une invitation vous-même. Mais là, je vois vraiment que, comme je vous ai dit, c'est qu'on arrive à bord par rapport à quelque chose sur lequel déjà on a travaillé. Et ça, pour moi, c'est un très bon accomplissement. D'accord? Voilà, c'est magnifique. Moi, je pense, peu importe, c'est peut-être que si vous êtes par rapport, si vous êtes en attente par rapport à des réponses, moi, je pense que les réponses vont être assez positives. Allez, on va voir, mes amis, maintenant les oracles, ce que les oracles veulent vous dire pour ce mois-ci. On va après démarrer le tirage avec le tarot. Alors, c'est parti. Le premier oracle ici, ça va nous parler vraiment. Alors, on a taking steps, ça veut dire qu'on est en train d'avancer dans une situation, on est en train d'avancer, peut-être on est en train de monter d'échelon, par exemple, dans sa carrière, peut-être aussi dans une relation. Du coup, on prend comment je pourrais vous le dire? Je perds l'expression. Voilà, on passe à notre niveau supérieur, du coup, ici. Dans la relation, peut-être dans le travail, là où vous êtes aujourd'hui. Voilà, sur vos plans, c'est que vous ne stagnez pas, au contraire. Hein. Moi, je pense plutôt que vous êtes en train de vous diriger de plus en plus vers ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le Normand, eh ben, d'une réalisation, d'un rêve finalement qui pourrait se concrétiser. Donc avec cette énergie-là, moi je vous sens que vous vous approchez petit à petit en fait. Peut-être que ce sont des pas de bébé pour certains. Donc peut-être que, eh ben, on ne s'approche pas, on n'avance pas avec une vitesse grand V. Mais ce n'est pas ça l'important. Pour moi, l'important, c'est que vous allez y arriver. D'accord? Donc gardez ça en tête. Alors ici, on a la porte vers la valeur. Donc pour moi, ici, ça peut me parler du coup d'un nouveau projet, d'accord? Un nouveau travail, un nouveau job par exemple, ou peut-être ici une promotion. Donc vous avancez, donc d'accord? Peut-être que ici, vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités par rapport à là où vous étiez et qu'avec tout ça, il va y avoir quand même un petit peu d'argent là-dessus, hein, parce que là, concrètement, on est sur la valeur, sur l'argent. Pour d'autres là, c'est que peut-être si vous étiez en train d'essayer d'avancer, en tout cas par exemple par rapport à la vente ou l'achat de quelque chose, sachez ici que ça va avancer du coup. D'accord? Donc ça semble être prometteur dans ce sens. Magnifique, regardez. On a le but, donc j'ai pas lu le texte, mais j'ai la carte du but. Mais qu'est-ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure quand j'ai parlé de vos rêves, de buts, voilà, des choses que vous essayez de mettre en place. Bon, je vous lis du coup le message, on vous dit, gardez à l'esprit, pardon, la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Donc gardez ça en tête, amis poissons. Je pense que vous allez avoir vraiment la possibilité ce mois-ci peut-être d'atteindre un jalon,
D'accord? C'est peut-être ce mois-ci va être un mois en tout cas qui peut marquer hein, votre histoire, comme par exemple l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, l'accomplissement d'un projet lentement attendu. Pour certains, peut-être ici, le fait de vous remettre ensemble avec quelqu'un pendant par exemple une période de célibat. Pour d'autres ici, l'officialisation d'une relation. En tout cas, moi je vois que le mois de août est quelque part pour nos amis les poissons, un mois jalon. Donc ça va être vraiment important pour votre vie. D'accord? Alors, la réponse angélique, là ici, on va nous parler de pardon. Peut-être un besoin de pardonner quelque chose, pardon de pardonner à quelqu'un quelque chose, peut-être aussi de vous pardonner vous-même. Peut-être certains, vous êtes dans la culpabilité par rapport à quelque chose. Mais c'est une énergie qui invite à l'acceptation. D'accord? Lâcher prise et l'acceptation. Les cartes de thé. Alors, on a la rose. On vous dit, on a... La romance est dans l'air. Donc pour moi, il y a une nouvelle histoire d'amour ici, ou peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'accomplissement d'une relation, la concrétisation d'une relation. Donc il y a quelque chose qui est en lien avec l'aspect romantique dans votre vie, qui peut-être se mettre en avant durant ce mois-ci. D'accord? Il y a quelque chose d'assez beau. Donc pour les célibataires, ça c'est plutôt un très beau présage, parce qu'on a quelque chose ici. Hein. Peut-être que vous allez tomber amoureux de quelqu'un. Ou quelqu'un tout simplement pourrait hein, venir faire le pas, le premier pas pour vous durant ce mois-ci. Pourquoi pas? Allez, on va voir. En tout cas, on va le découvrir après, comme je vous ai dit, pour le tirage sentimental. Alors, avec le tarot, du coup, on va venir voir ce qui se passe dans l'actualité. Les énergies du moment, les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de août et comment tout ça va évoluer jusqu'à la fin du mois. Donc l'évolution quelque part de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors là, d'une manière générale, peu importe le domaine. Alors les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois de août. Alors, pour nos amis les poissons, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici actuellement? Alors, certains d'entre vous, peut-être là, vous êtes fatigués. Ou peut-être vous avez passé peut-être la période de l'été, le début de l'été, genre juin, juillet, n'a pas été assez facile ou assez fluide pour vous. Donc là, on est plutôt face à une énergie qui demande beaucoup d'efforts physiques. Peut-être on est tout simplement fatigué. Pour d'autres, c'est peut-être vous entamer un cycle qui a été un petit peu pénible dans votre vie. Alors là, effectivement, je dis entamé parce que parfaitement ça, on a le 10 de coupe juste derrière. Donc pour moi, écoutez, peu importe la raison derrière laquelle aujourd'hui vous vous retrouvez fatigué, vous vous retrouvez peut-être un petit peu là, comme cette énergie-là, hein, de cette personne, vraiment, on ne peut plus. Ah, c'est lourd, c'est pénible, c'est long, etc. Peu importe le contexte là, je vois ici que vous allez retrouver une forme de joie dans votre vie. Alors, c'est peut-être finalement la concrétisation. Elle arrive, la nouvelle peut-être, elle arrive si vous attendez une nouvelle. Peut-être ici, alors là, j'en sais pas pourquoi, mais on parle pour certains d'une grossesse qui a été difficile. D'accord? C'est peut-être 9 mois vraiment de grossesse qui ont été un petit peu pénibles, difficiles. Voilà. Et là, c'est peut-être l'arrivée de bébé finalement. En tout cas, on va être quelque part libéré. D'accord? Il y a quelque chose de ce genre ici. Oui, la reine de coupe, donc là, ça peut être une maman ici, une nouvelle maman ou en tout cas une jeune maman, par exemple, peut-être ici la première grossesse, voilà, d'une maman. Alors, ça peut vous concerner directement, mes poissons, mais ça peut aussi concerner quelqu'un dans votre entourage. C'est peut-être vous, par exemple, vous vous inquiétez par rapport à votre fille. Hein, si c'est peut-être elle qui a eu une grossesse un petit peu délicate. Mais en dehors de la grossesse, ici, ça peut nous parler, comme je vous ai dit, des projets de vie. Donc, d'une situation apparemment qui a été difficile pour vous. Mais là, on tend vers un mieux. On tend vers un mieux et on se retrouve. C'est peut-être aussi, ça a été fatigant émotionnellement parlant. Alors là, avec le 10 de coupe et la reine de coupe, pour moi, vous allez avoir, en tout cas, le soutien émotionnel nécessaire hein, qui va vous accompagner durant ce mois-ci pour vous aider. Par exemple, peut-être que vous avez une figure maternante autour de vous qui prend soin de vous, peut-être une copine, peut-être une amie, un ami ou une amie. Alors là, peu importe, hein. Là je suis partie sur un aspect féminin vu que j'ai la reine, mais ça ne veut pas dire là forcément une femme. En tout cas, quelqu'un qui est maternant, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est prêt pour aider les gens, voilà, qui est toujours là pour les gens.
pour les autres, pour les aider. Donc, ça peut être vous directement, du coup, vous allez épauler quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre environnement, ou tout simplement, il y a quelqu'un qui va être là concrètement pour vous. Au moment, par exemple, là où vous allez en avoir plus besoin, parce que là, ici, avec le 10 de bâton, c'est clair que ça a été quelque chose qui n'a pas été évident. Alors, pour d'autres, si je pense... alors là, j'ai un message quand même qui ne va pas trop résonner à tout le monde, mais je le dis parce que je le vois. Pour d'autres, si le cycle qui a été difficile, la bataille qui a été délicate ici, ça peut être en rapport avec une forme de dépendance aux substances, peut-être de dépendance affective pour certains, pourquoi pas. Mais là, je vois une énergie de quelqu'un qui a mené peut-être une bataille contre une forme de dépendance dans sa vie et que ça n'a pas été évident. Et là, je pense, du coup, on se retrouve dans la société, on se retrouve dans la famille, on se retrouve avec nos proches. C'est peut-être là, vous allez sortir d'un rétablissement par rapport à une dépendance. Encore une fois, si ce n'est pas vous directement, ça peut être lié à quelqu'un dans votre environnement. D'accord? Mais en dehors de ça, pour moi, ça peut me parler, là, finalement, avec le 9 de coupe, la concrétisation réellement, elle arrive. Là, c'est une forme de satisfaction. Assurez-vous, ici, dans ce tirage, on a doublement la satisfaction avec le 9 et avec le 10 de coupe. Donc, peu importe ce qui se passe là, ici, pour moi, je ne pense pas que ça va durer. Alors, comme je vous ai dit, c'est peut-être, ça peut, cette énergie, elle peut remonter, du coup, hein, jusqu'à le début de l'année, par exemple, parce que c'est une énergie de passé, pour moi, ici. Alors là, du coup, j'ai le roi de le roi de pentacle. Alors, ça peut me parler ici, j'en sais pas pour certains, d'une amélioration nette concernant les finances. C'est peut-être finalement un projet qui décolle, une réussite. Alors là, vu qu'on a le 10 de coupe, on peut me parler du coup de la maison, du foyer. Donc, peut-être ici, alors, voilà, je dirais des projets de construction qui ont pu être longs, peut-être l'achat, quelque part, on arrive finalement à signer un contrat ou un bail concernant une maison de ses rêves, pourquoi pas. Vous voyez, il y a une forme de concrétisation et ça peut concrètement toucher les finances. Voilà, ici on a quand même un aspect pécunier, on a le 4 de bâton encore une fois, donc ça touche le foyer, la maison, le cocon, la famille, la stabilité aussi, la fondation, la structure. Donc pour moi, peu importe, soit en rapport avec la famille ou tout simplement par rapport à votre zone de confort à vous, votre stabilité financière, matérielle, voire même peut-être pour certains, émotionnellement parlant, là, on voit du mieux. D'accord? Attendez-vous à ce qu'il va y avoir du mieux. Par contre, là, ici, peut-être certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans votre famille qui peut peser un défi durant ce mois-ci, dans un sens où là, cette personne, elle peut dépenser beaucoup d'argent. Parce que là, je vois deux énergies du coup. Il y a quelqu'un qui abuse dans les dépenses financières. Il y a une autre personne qui est tout à fait... alors là, ce n'est pas de l'avarice, mais c'est qu'on n'est pas dans cette énergie là où on dépense de l'argent sans calcul. D'accord? Alors, c'est à voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Ou peut-être un de vos enfants? Mais là, je sens cette énergie vraiment de vouloir tout de même. Il y a quelque chose, forcément, que vous allez vivre et que vous allez bien célébrer. Peut-être bien fêter d'ailleurs. Et peut-être ça va demander de l'argent. Mais de l'autre côté, je sens une énergie d'une personne qui essaye quelque part un petit peu de ne pas sortir au-delà de ses limites. Surtout financièrement parlant, et peut-être pourquoi pas ici émotionnellement parlant, hein, d'accord? C'est peut-être l'idée vraiment, voilà, on se dit, mais moi je suis toujours là pour les gens, je supporte, j'aide, ceci et cela. Par contre, bon, il va falloir que je prenne un petit peu soin de moi-même aussi également. Voyez, il y a cette idée peut-être quelque part de prendre un pas en arrière, parce qu'on a envie de se protéger émotionnellement parlant aussi. Mais bon, je vois pas que c'est méchant, hein, parce que d'ailleurs, on a quand même de très belles cartes. C'est peut-être ici, on se protège parce que voilà, par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé qui a été fatigant finalement, mais pas forcément contre quelqu'un, hein, que vous avez, hein, en face de vous. Bon, écoutez, il s'agit d'un très 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 beau mois pour vous, hein, mes poissons. Vraiment, c'est un mois de réalisation, de concrétisation. Certainement, il y a des choses à fêter, en tout cas. Il y a quelque chose qui que vous allez essayer de célébrer. Si ce n'est pas une fête concrète, moi, je pense que au plus profond de vous, émotionnellement parlant, vous allez être dans la satisfaction. Passez un très beau mois, mes poissons, et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.